De quoi ma femme est grosse, le médicament connecté. C'est quoi ce bordel là? Thomas Pesquet lui-même, depuis l'espace, rendait compte de son état de santé en faisant des Doppler qu'il télétransmettait. En Normandie, en ce moment, un laboratoire vient de mettre au point une petite gélule. Vous allez la voir, il suffit de l'avaler. Eh bien, vous transmettez à distance la température intérieure de votre corps. Utile. T'as pris ta métapils ou si vous êtes à la maison, ou alors si non, là, c'est, là, c'est trop fort. Non. Et curatif, certains diabétiques un petit boîtier qui fait l'analyse de la santé connectée, mon cul. Bon moment, et les données sont télétransmises à un médecin. Faut rien prendre, ni cacheton, ni machin, faut rien prendre, faut tout arrêter, faut pas. Ben beaucoup, je suis un bourgeois, et ça ira bien. T'auras un bon Dieu. Sinon, tu n'auras pas. Sur un banquier indiscret, un employeur un petit peu curieux, et déjà certains assureurs s'intéressent à nos data de santé. Oui, justement, certains assureurs proposent déjà des contrats donnant-donnant. Le client accepte par exemple de porter un bracelet électronique pour suivre son activité sportive. En échange, eh bien, il reçoit des cadeaux. Ce n'est pas encore le système américain, mais on en prend le chemin. Marianne Buisson, Denis Bassompierre. Non. Pour ce Breton, aller à la piscine, c'est bon pour la santé, mais aussi pour son porte-monnaie grâce à cette montre connectée. Là, je lance ma session en fait de nage. Donc elle va compter automatiquement le nombre de longueurs que je vais faire. 25 minutes de nage, l'information est immédiatement transmise à sa compagnie d'assurance, comme à chaque fois qu'il fait du sport. Connecté 24 heures sur 24, et même quand il marche, il gagne des points qu'il pourra transformer en petits avantages. C'est dans le contrat de sa complémentaire santé. Là, je suis à 32 600. Des points et donc des bons d'achat dans un magasin de sport ou de produits de beauté. Mais il a accepté d'aller encore plus loin. Transmettre son carnet de santé. Son assureur connaît même son taux de cholestérol. T'as vu où qu'on en est ? Les résultats sont bons. Ça peut te permettre justement de cumuler également des points. Les attends, assureurs sont c'est grave, hein. Ah, c'est pas grave. Les données personnelles de leurs clients. Oui, bon, vous comprenez, c'est comme les ça. Les données de santé qui sont... Ferme ta gueule et cotise et... Organismes à caractère médical ou à caractère de recherche médicale et elles sont anonymisées. Malgré ces garde-fous, les associations de consommateurs sont inquiètes. Pour un assuré, accepter de donner des informations sur sa santé, c'est prendre le risque d'être espionné. Ils virent tout le monde, ils vont faire croire que le chômage va baisser. C'est bon, les bus sont chauffeurs, les taxis sont chauffeurs, les trucs ou machin. Ils virent tout le monde dans toutes les boutiques. D'assurance flambée de telle manière. Nom de nom. Les moyens de s'assurer. Ou alors mondial de fils de pute. Ce système fonctionne sur la base du volontariat et uniquement pour les complémentaires santé. Normalement, il faut être volontaire parce que moi, je ne suis pas volontaire. Séduire New York pour conquérir le marché américain du rein.